Stand By Me de B.B. King, une très belle chanson que je vous propose d'apprendre. Vous pouvez la jouer au médiator, avec les doigts, en étouffé, avec un stylo, bref, de la façon que vous voulez, quoi. Regardez bien, c'est pas compliqué et ça va rentrer tout seul. Allez, à tout de suite. Stand By Me. Alors vos accords sont Do, La mineur, Fa et Sol. On commence, première corde, troisième case, deuxième corde, deuxième case, deuxième corde, troisième case. À ce moment-là, vous faites votre Do. Pour faire un Do, index, première case, avant-dernière corde, majeur, troisième corde, deuxième case. Et annulaire, deuxième corde, troisième case. Ça vous fait un Do. Et on revient. Donc deuxième corde, troisième case. Deuxième corde, deuxième case, deuxième corde. La vide. Suivi du La mineur. La mineur. Deuxième corde à vide, troisième corde, deuxième case, quatrième corde, deuxième case, cinquième corde, première case. Reprenons. Donc après mon La mineur, j'appuie sur la troisième case de la première corde avec mon auriculaire. Je tire légèrement la corde vers le bas pour faire un petit effet. Deuxième corde à vide. Pour la mineur. Deuxième corde à vide. Première corde, troisième case. Première corde, première case. Allez, on recommence. À ce moment-là, je fais un Fa. Au lieu de faire votre Fa classique, qui est comme ceci, on va le faire plutôt comme ça. Ça m'évite de mélanger un peu les pinceaux et de faire un passage un peu plus propre. Donc pour faire ce Fa, le pouce, première case, première corde. On annulaire, troisième case, deuxième corde. Auriculaire, troisième corde, troisième case. Mon majeur, quatrième corde, deuxième case. Et mon index, avant-dernière corde, première case. Et ça vous fait un Fa. Donc, première corde, première case. Deuxième corde à vide. Sol. Alors le Sol annulaire, première corde, troisième case. Majeur. Deuxième corde, deuxième case. Et monoauriculaire, dernière corde, troisième case. Et je reviens donc sur la première corde, troisième case. Deuxième corde. Deuxième case, deuxième corde, troisième case, suivi du Do. Nous allons maintenant faire le morceau ensemble, mais encore plus doucement pour essayer de bien comprendre le truc. Allez, on y va. Thank you.
Et voilà, c'est terminé. Laissez des commentaires, c'est toujours appréciable. Et c'est très motivant surtout, quoi. Donc travaillez bien, et puis à une prochaine. Salut!